C'était inimaginable pour moi d'arriver un jour à penser qu'on pourrait se retrouver ici. Ici, tout ça grâce à vous. Eh bien, je vous le devais tout simplement. Je veux vous dire que j'ai souhaité cette année, alors que nous vous accueillons pour la 4e année consécutive. C'est un honneur que vous nous avez fait, chère Fabienne. Et je me suis dit, on a fait 3 fois le palais de la Méditerranée, il faut aller plus loin. Et ce qu'il y a de plus symbolique, de plus fort pour une grande scène à Nice qui incarne toute notre histoire, mais une part de l'histoire de France aussi, puisque je le rappelle, il n'y a que 2 opéras construits par Charles Garnier en France. Il y a celui de Paris, il y a celui de Nice, là où nous nous trouvons aujourd'hui. Et donc j'ai voulu vous offrir ce soir cette scène de l'opéra Garnier. J'ai voulu le faire parce que dans cette ville où j'ai souhaité, avec mon adjoint au senior, mon ami Jean-Michel Galli, avec l'aide de Denise Fabre, mon adjointe au maire à l'événementiel, avec Nicole Merlineau, mon adjointe aussi à tout ce qui touche à l'horticulture, c'est-à-dire les fleurs, la culture des fleurs, et les femmes sont pour nous des fleurs à Nice, ou encore Philippe Rossini, mon conseiller municipal, et le soutien du président du conseil général, mon ami Éric Ciotti, que nous puissions rendre hommage à ce que vous avez réalisé, Fabienne. Maître dans notre pays, les femmes qui ont tant donné, malgré toutes les crises, malgré toutes les épreuves difficiles, économiques, les confrontations, les conflits, et qui ont fait ce qu'il fallait pour que la France reste un grand pays, en éduquant des enfants, des petits-enfants, en veillant à ce que les valeurs familiales restent le socle le plus fondamental pour que la France reste un grand pays, en veillant à ce que ce lien intergénérationnel que vous ne cessez de célébrer avec leurs propres enfants et petits-enfants, leurs familles qui viennent leur rendre hommage sur cette scène avec ces instants si émouvants, eh bien je me suis dit, si la France a besoin de ressort aujourd'hui plus que jamais. Un jour, il y a eu une Fabienne Ollier qui a pris cette initiative pour faire en sorte que nos super mamies, elles soient très haut, sur la plus haute marche du podium. Et donc, pour la 4e année, on vous accueille dans cet opéra Garnier. Et du fond du cœur, je veux vous rendre hommage et vous remercier, parce que ce que vous avez fait, bien sûr, ce sont des moments d'enthousiasme partagé. Mais en même temps, c'est défendre des valeurs auxquelles la France est attachée. Et nous avons la chance d'avoir une grande dame comme vous, que je voudrais vraiment qu'on applaudisse très fort ce soir. Bravo Fabienne, merci. Et puis, je remercie notre formidable Sophie Darel qui a animé toute cet après-midi. Je veux remercier, bien évidemment, ma niçoise, Julie Pietri, ou encore Douchka, ou aussi remercier Alice Donna, Mathieu Sampéré, Magali Vahé, Christian Delagrange, Angela Amico, Pascal Brunner, mon ami Henri-Jean Servat, qui a fait partie du jury aussi, et que l'on connaît bien ici à Nice, et bien sûr Alice Donna, qui nous a enthousiasmés tout à l'heure. En tout cas, merci à toutes et à tous du fond du cœur, ainsi que tous nos partenaires, Michel Thor, qui m'a toujours enthousiasmé, a été une référence pour moi si fantastique. Vous voyez, je me sens tout petit, ému d'être sur cette scène, entouré par ces grandes voix, ces grands musiciens, ces grands artistes de notre pays. Ils sont ici à Nice. C'est une fierté pour moi, pour les Niçois, de recevoir la Normandie, de recevoir l'Île-de-France, de recevoir la Haute-Garonne, de recevoir les Pays de la Loire, de recevoir le Languedoc-Roussillon, de recevoir toutes ces terres qui font la force de la France, depuis la métropole jusque dans toutes ces outre-mer, avec Viviane qui a été la super mamie de l'année dernière. Merci à toutes et à tous, merci au jury, et je souhaite aux super mamies d'être longtemps pour notre pays les références qui serviront de guide aux générations à venir. Bonne fin de séjour à Nice, vous êtes ici, chez vous. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Je pense que Denise voulait dire quelques mots. Non, je voulais simplement vous dire que je suis vraiment très très heureuse d'être ici et de partager ces moments avec vous. Je vais commencer à les vivre puisque moi j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je suis mamie depuis 4 mois. Et c'est une grande nouvelle et je suis folle de bonheur. Et mes petites et mes filles qui maintenant sont grandes et en âge d'être maman ont eu la chance d'avoir une mamie extraordinaire qui les a accompagnées
jusqu'au dernier moment. Donc c'est très très important et c'est l'amour qui prime surtout. Et je suis vraiment très heureuse de partager ces moments avec vous. Merci. Merci beaucoup, Denise. Merci. Et puis, moi, je voudrais également remercier M. Éric Ciotti, président du Conseil général des Alpes-Maritimes, parce que vous aussi, vous adhérez à toutes ces belles valeurs et nous permettez chaque année de pouvoir faire cette sélection dans votre magnifique département qui est haut en couleur aussi et qui foisonne de plein de super mamies. Alors, un grand merci, monsieur. Merci à vous, Fabienne, pour cette... magnifique initiative qui place les mamies au cœur de notre message de reconnaissance. Et c'est vrai que nous vous devons beaucoup, nous vous devons tout. Les mamies, pour chacun d'entre nous, c'est une référence, c'est un repère. Et quelle belle idée, quelle grande idée d'avoir souhaité les mettre en valeur. Alors, c'est avec beaucoup de joie que nous avons organisé, à votre demande, avec vous, grâce à vous, la sélection pour notre département, pour les Alpes-Maritimes, pour la Côte d'Azur, avec notre super mamie locale, Lydia Bensoussan, qui a été choisie. Alors, on ne va pas faire de favoritisme, mais on pense à elle. Bien sûr, je veux saluer la présence de toutes les super mamies venues de toute la France, ici, chez nous, à Nice, dans les Alpes-Maritimes. C'est une joie immense, c'est un grand bonheur. Et pour tout cela, je veux vous dire du fond du cœur ma reconnaissance et par anticipation, mes félicitations à celle qui sera la super mamie. Mais toutes le sont, toutes les mamies pour nous sont super. Elles sont dans notre cœur, elles ont notre reconnaissance. Merci au jury, merci à Michel Thor, merci à tous ceux qui vous ont donné, qui nous ont donné ce moment de bonheur cet après-midi. Merci d'être ici et merci pour ce que vous faites. Merci, monsieur le président. Merci beaucoup, monsieur Ciotti. Merci. Merci. Merci.